C'est la première étape de ce 54e tour auto. La spéciale des trois bancs débutera de la rue du Pont jusqu'au chemin de la Vigie. Si le trafic était normal aujourd'hui sur la route de la montagne, demain, il sera interrompu de 13h à 17h30. D'autres axes routiers seront coupés à la circulation ce week-end. Samedi, c'est entre autres une portion de la départementale 57 à Sainte-Rose, allant de la rivière de l'Est à Bois-Blanc, qui sera mobilisée de 8h15 à 13h20. Et dimanche, dernier jour du tour auto, c'est le secteur de Maison-Blanche à Saint-Paul qui sera impacté de 9h15 à 17h50. La réussite d'un événement comme ça, c'est la communication, l'information aux riverains. Et après, on a des retours, ils appellent, on a une ligne, on répond. Quelle solution on peut trouver pour eux si, par exemple, il y a une ambulance qui passe. Des fois, on peut les faire mettre entre les deux voitures de rallye quand c'est vraiment obligatoire. 130 équipages prendront le départ demain à Saint-Denis. Lazare attend plusieurs milliers de spectateurs tout au long du week-end. Des navettes gratuites seront mises en place pour les amener en toute sécurité sur les différentes spéciales.